Comment nous y est tout le monde? Bon bagay! En tout cas, joyeuse fête Saint-Valentin à tout Valentin et Valentino. Kembe Femme toujours met en pile l'amour, montre en pile l'amour, pays a besoin d'amour. Donc, et vidéo aujourd'hui, nous allons faire sous Fuse. Sous demande en pile monde et puis l'important tout pour gagner Fuse dans le système n'a fait. Parce que tout côté gagne Fuse, j'aime dire nous ça. Nous allons faire vidéo aujourd'hui sous Fuse. Qui Fuse? Qui type de Fuse pour nous utiliser? Nous allons faire sous Fuse et Breaker. Qui différence gagne? Fuse et Breaker vaut même bagay. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui pensait que Fuse des fois qu'on est plus sensible, c'est-à-dire qu'il répond plus bien sous et il y a un gros voltage, une augmentation de voltage, c'est-à-dire si on coupe circuit, Fuse a qu'on saute avant breaker. Mais même plus quoi, il dépend de qui type de Fuse vous utilisez. C'est-à-dire, sous des fois vous utilisez des bagages bon marché, ce n'est pas tout bagage bon marché qu'on doit bon. Et ça fait moi-même dans pile vidéo, je me dis oui, nous utilisons quelques bagages qui bon marché. Mais qui bon, faut insister à ça. Et je pense que tout de égal. L'essentiel, avantage Fuse gain sous breaker ou plus jeune Fuse qui pire au voltage facilement et que breaker. Ou généralement, ou pas jeune breaker qui tout sous trop gros voltage. Par exemple, l'homme a fait installation, par exemple, il y a un rentré courant qui au-delà de 200 volts, par exemple, qui est dans 600 volts, ou il n'a pas jeune facilement breaker qui pour tout voltage. Là, ça ou cap plus utiliser Fuse. Bon. Nous utilisons Fuse en dit peut-être quatre côtés. Saute dans le panneau soleil pour arriver dans le charge contrôleur, on met un Fuse. Saute dans le charge contrôleur pour aller dans la batterie, on met un Fuse. Saute dans la batterie pour aller dans l'inverteur, on met un Fuse. Et puis finalement, saute dans l'inverteur pour alimenter le caillou, on met un Fuse. Sous forme breaker, ok? Circuit breaker. Boîte nous, c'est un petit boxeur qui a une petite tête noire là-dedans qui est on-off. C'est breaker, oui. C'est-à-dire les une grosse augmentation de voltage. Et puis, par exemple, on coupe circuit deux fils qui rencontrent. Et puis, le ça li off-li automatiquement. Pour éviter que l'appareil ne grille. Donc, c'est très important. Et puis, nous allons débattre pour nous dire comment on peut calculer grosseur Fuse pour mettre. C'est ça qui objectif vidéo là, je dis. Ok. Pour nous commencer, nous dit soutenant. Alors, généralement, bien dit non, c'est bon sens qui fait tout bagaille. Okay, c'est bon sens qui fait tout bagaille. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être figé à ça là à 100%. Je toujours recommandé dans Fuse pour alimenter appareil Fuse cap des appareils. Il faut qu'on connaît qui ampérage appareil à utiliser et puis on prend ampérage appareil à utiliser au multiplier par 1.25. Mais par exemple, je demande pour breaker cap alimenter appareil pour plus que 3 heures de temps. Je demande faut qu'on multiplie par 1.25. C'est-à-dire, non seulement on multiplie par 1.25, suivant l'ampérage appareil à utiliser, on multiplie par 1.25, qu'on on multiplie par un autre 0.25 encore, si l'appareil a fait plus de temps à marcher. Parce que, bagay sa yo, sensibilité yo a agi sous température. C'est-à-dire, on fuse, les sauter, c'est on fuse, on va les chauffer. Fuse là, censé, c'est non chaîne, par exemple, sous la chaîne, les censé, maillon qui est faible dans la chaîne. C'est ça que fuse là. De façon, les gon gros augmentation ampérage, si gon coup circuit par exemple de fil rencontré, son augmentation ampérage, comme si on met un gros load ou met un gros bar qui trop pour le système là, et puis les voilà agir sous maillon qui est plus faible dans la chaîne là, pack la sauter. J'en sauter là, c'est chauffer, elle vient chauffer. Chauffer, chauffer, puis gon quantité de chaleur qui arrive sous lui et puis la coupe. Et ça fait toujours, fuse là, toujours bon fuse holder. L'important pour éviter pour l'humidifier dans façon ou l'autre. Ou met ton fuse holder, ou met ton bagay barrel, moun yon ti vite ki barre ou de bagay plastique ki barre ou. Donc, ni breaker à tout, c'est suivant chaleur li agi. C'est ça que fait ou si bagay la servi pour plus que 3 heures de temps, ou multiplie par l'autre 0.25 encore, pour éviter que la chauffe, chauffe, et puis breaker a karete, li turn off automatiquement, ok? Que nous pas besoin, si par un coup circuit, ok? Donc, alors, électricien yon kon sa m'a dit très bien. L'essentiel est quoi c'est ça lié c'est apprendre nous tout bagaille de base que n'a besoin pour kay nous pas obligé un électricien pour nous faire ça pour nous faire ça. OK. Fuse cap saute dans panneau solaire là et puis me dit nous sont question de bon sens lié c'est-à-dire l'on utilise fil faut fil là ampérage qui capacité là dans là faut ampérage fuse là inférieur avec sa capacité dans fil là. Vous comprenez créole là? Ça me veut dire par là. Si fil là qu'a supporter 20 ampères ou pas qu'à mettre un fuse 30 ampères. Tant soit pas besoin de mettre fuse là. C'est-à-dire, les vins vont chauffer. Si vous avez un coup de circuit dans le système,
bailleur chauffé, fuse a conduit courant normalement parce que le supporter jusqu'à 30 ampères, fil là même pas qu'à supporter 30 ampères là, c'est 20 ampères. Et puis ça qu'a passé, fil là commencé chauffer, l'a chauffé puisque lui même il pas fait pour le couper. C'est bouler la bouler, la blé mais diffé et puis on prend c'est comme ça des fois quand il prend diffé. OK ou bien bah nous bouler. Donc nous pas voulez ça, c'est logique là ça. Ampérage fuse a fait pour inférieur avec ampérage fil qui dans système là. À partir de là nous cap fait tout ça nous besoin. OK? OK. Fuse cap saute dans panneau soleil pour arriver vinn dans charge contrôleur. Fuse ça yo, li ka on inline fuse, nous te montrer non dans vidéo qui te dit fuse comment fuse and jack et que nous utiliser yo, quelques fuse avec cap jack que nous utiliser gon vidéo pour ça m'a mettre là pour nous. OK, inline fuse là li tout gon jack MC4 terminal dans deux points yo, ni devant ni derrière, on est plugé dans positif là. Nous te wel tout dans ti vidéo me te fait pour charger panneau et pour charger téléphone yo. OK, on grain panneau pour charger téléphone, on te met un inline fuse là dedans, m'a montré non là encore. Donc nous cap con résistance con ampérage là, nous con ampérage fil là et puis nous juste mettez yon fuse qui inférieur à ampérage fuse là, mais cap qui t'est passé quantité ampérage ou besoin pour système là. Je m'explique. C'est-à-dire si moi gagne série panneau solaire moi yo a fourni environ 11 ampères. 11 ampères jusque là m'ka met ton fuse 20 ampères. OK, li bon. Ça c'est pour quitter courant passer fuse a quitter 11 ampères la passer là-dedans, mais par contre fil m'a utilisé a les fait pour supérieur avec 20 ampères. Donc de là nous cap déterminer comment pour nous mettre qui size fuse pour nous mettre soutenant panneau soleil vin nan charge contrôleur. Kouni a soutenant charge contrôleur n'a pas augmenté parce que ça a changé ce fil moyen de alors fil qui est petit utilisé qu'on a sauté dans charge contrôleur pour aller dans batterie n'a pas utilisé fil moyen cap plus gros que ça sauté dans et panneau soleil yo qu'on a et là nous pas l'utiliser généralement utiliser circuit breaker. OK, parce que fuse a des avantages, fuse a gagné les sauter les sauter obligé changer l'obligation l'autre malgré le longtemps plus bon marché que circuit breaker. OK, mais m'a montré nous des images également de circuit breaker qui fait pour DC. OK, et saute dans charge contrôleur pour arriver dans batterie n'a mettre circuit breaker et puis n'a toujours respecter ampérage fil là, c'est-à-dire fil là doit son plus gros ampérage que circuit breaker. Si on coup circuit quelconque on va capturer et puis c'est breaker cap off. OK, et puis n'a fait calculer au même genre, c'est-à-dire si nous connaît que charge contrôleur noir on exemple a fourni 40 ampères, n'a prend un fil qui cap supporter plus que 40 ampères et puis circuit breaker noir nous on apprend par exemple là un fil qui va supporter plus que 40 ampères, donc on a un fil qui supporter jusqu'à 60 ampères ou bien plus et puis nous fait circuit breaker noir par exemple 50 ampères. OK, c'est logique là ça. Et puis qu'on y a là l'on saute dans la batterie, nous poil dans l'inverteur, ça c'est maman pain bas, c'est gros gros. Là, on a tenu compte de l'ampérage appareil nous. Nous sommes les derniers, nous avons fait un calcul, nous avons pris à partir de là. C'est-à-dire, si nous apprenons le système 24 volts, nous avons fait dernièrement, je vais mettre une vidéo pour nous, encore une fois. Nous avons fait 24 volts, nous avons mis un maximum de 3000 watts sur lui. Donc, 3000 watts, l'on tire sur 24 volts. La brale 125 ampères. N'a quitté 125 ampères passé. Très important. De ce fait, n'a metté yon fuse qui quitté plus que 125 ampères la passé là-dedans. Mais, le ça n'a pas pu servir à fil 125 ampères là. OK? Très important. Donc, kounya, n'a pris un fil qui. Alors, fil n'a te prend, c'est des fils qui supporté 150 ampères. N'a pris un fil qui est légèrement supérieur. N'a pris un fil 2 par exemple. Fil 2 a quitté, par exemple, sur la batterie pour aller dans l'inverter. OK, songez ça. Fil 2 a quitté jusqu'à 205 ampères environ passé là-dedans. Donc, on a utilisé fil 2 qui n'est pas trop cher. On n'est pas obligé de prendre 4-0, okay? Parce que 4-0 est extrêmement cher. Donc, on a pris fil 2 qui a quitté environ 205 ampères passé là-dedans. Et puis, côté que fuse, on a mis sur le système. On va montrer dans quel type de fuse on a mis. Ou bien, on a mis breaker tout. OK? Et puis, fuse, on a mis sur le système. Nan, son fuse qui a quitté 125 ampères passé là-dedans pour alimenter l'appareil plus 1.25 là. OK, songez ça, plus 1.25 là et puis plus encore. Alors pour breaker généralement on toujours demandé si a marché pour plus que 3 heures de temps, nous quitter deux fois
ok, 1.25, ok, nous multiplions 2 fois 1.25. Donc, là, comme ça, nous avons fait calcul là, on fait calcul là ensemble rapidement. Si nous disons que l'appareil est observé à 125 ampères, 125 multiplié par 1.25, ok, les banons, 156 ampères, c'est ça que nous ne pouvons pas observer avec, c'est ça que nous ne pouvons pas observer avec câble qui supportait 125 là. Parce que l'IBA, alors 150 là, je dirais. Et ça fait nous pas observer un câble qui supportait 150 ampères là. Parce que ça a dépassé. Et puis encore, nous allons multiplier par l'autre. Parce que la marche est plus que 3 heures de temps. Nous n'avons pas besoin de limiter par nous à 3 heures de temps seulement. Nous multiplions par l'autre 1.25 encore. L'IBA nous 195. Donc c'est-à-dire, à partir de là, nous allons mettre un fuse qui environ 200 ampères. Ok? Environ 200 ampères. Ça, c'est encore une fois, c'est pour respecter les normes. Mais c'est bon sens qui fait tout bagaille. L'essentiel de vous mettre fuseau inférieur avec ampérage fil, ok, qui connecté avec là. Et puis nous mettez ampérage fuse supérieur avec ampérage appareil nous abraler. Nous good to go. Si nous fuseau coupé, et bien nous connaissons augmenter ampérage là. Pas exagéré, mais juste pour nous pas obliger servir en trop gros fil, ok? Tout ça c'est logique, c'est bon sens, ok? Donc, je pense que je vais montrer nos tableaux quand même pour nous mémoriser, qui est important. Donc, et c'est-à-dire fuse ou bien breaker, c'est même bagaille, mais sauf que fuse là vend plus bon marché que breaker a, et puis fuse, et breaker a lui-même li pas sauter. Li juste bon possibilité pour reset li. OK, li turn off et pour reset li. C'est avantage ça breaker a gain sur fuse. Fuse donne plus bon marché, mais breaker a bon possibilité pour reset li. Donc, logique là, faut nous connaître quantité ampérage qui apparaît non, marqué size appareil yo. Faut nous connaître quantité ampérage que appareil nous carré, même les pas braler un seul coup oui, dans moment oui, mais nous connaît pas le fait que nous ca tirer 3000 watts par exemple sous système noir. Nous connaissons que faut quitter 125 ampères à passer pour lui, pour 3000 watts la ca sortir. Et puis le ça n'a pas multiplié par 1.25 là. Et puis là nous connaissons que size fil là nous devons respecter size fil là, c'est-à-dire size fuse là doit inférieur les plus bas ampérage fuse là de plus bas que ampérage fil là. OK, donc je pense que c'est tout, OK? Nous fait calcul tout bah yo, et puis nous mettons inline fuse, nous mettons circuit breaker, soit dans charge contrôleur pour aller dans batterie, et puis nous mettons un circuit breaker ou bien un type de fuse que m'a montré nous qui saute dans batterie pour aller dans inverter. Et puis après ça n'a pas utilisé et c'est petit box à canon sans problème, ou bien m'a montré nous l'autre petit circuit breaker que m'a pas affiché pour nous là quand même. Si toutefois nous pas gagné circuit breaker là canon, nous cap fait propre système pas nous côté n'a servi à quick disconnect jack yo. Et puis nous mettez open circuit breaker pour si gon bay la trip, et puis après pour reset li encore. En tout cas, et m'a dit nous merci, toujours supporter channel là, toujours commenter dans vidéo, m'apprécie ça. Et que prochaine vidéo open n'a bay plus bagaille toujours. Bon bagaille à la prochaine. Qu'en fait?